Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Roset Zohar Bat Sultana, Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michael Ben Aline Bachla Rachel, David Ben Fortuna Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Sota, Perek Gimel Mishnabet, Henif Vehegish, Kamatz Vehiktir, Vehashear Nehechal la Kohanim. Haya mashke mashka ve'achar kach makriv et minchata. Rabbi Shimon omer makriv et minchata ve'achar kach mashka. Shenemar ve'achar yashke et ha'isha et ha'mayim. Ve'im ishka ve'achar kach ikriv et minchata kshera. On est en plein rituel de la sota et plus précisément de la mincha de la sota. Soit parmi tout ce qu'elle fait la sota quand on arrive au Beth Amikdash pour qu'on puisse la vérifier et lui faire boire l'eau, il va falloir la faire jurer, on l'a déjà fait jurer maintenant, il va falloir effacer la Megillah dans l'eau, on l'a peut-être déjà fait comme ce qu'on va voir tout de suite, et il faut aussi qu'elle apporte sa mincha et on la fait boire, et ensuite on voit le résultat des courses, est-ce qu'elle gonfle ou pas. Comme ça va être précisé dans la suite, dans une prochaine Mishnah. Ensuite, concrètement, comment ça se passait. Donc, on avait vu là, déjà dans la Mishnah précédente, que le Kohen apporte que le mari donne mincha au Kohen. Le Kohen, il était on avait fini la Mishnah en fait en plein suspense. On avait déjà mis la mincha, l'orge, la farine d'orge, on l'avait déjà mise dans un clicharet. Le Kohen l'avait donné à la femme, il avait mis ses mains en dessous pour qu'ensemble ils font la tnoufa. Et sur ça, débarre notre Mishnah en nous disant Henif Vehigish. Il finissait la tnoufa. D'abord, il fait la tnoufa, qu'on avait déjà précisé. C'était le dernier mot de la Mishnah précédente. On le reprend. On avait dit Omenifa, et maintenant on commence à Enif. Donc, il balance. Une fois qu'il a fini de balancer la mincha, Molich Mevi, Maale Omorid, après, il est Magish. Il apporte la mincha devant le Misbéar. C'est le Kohen, cette fois-ci, qu'il la prend dans la main. Il amène devant le Misbéar. Il la fait toucher sur le Misbéar. Après, Kamatz Vehiktir. Kamatz, c'est qu'il prend dans l'ustensile de la mincha, il prend une pincée avec les trois doigts. On avait rappelé, on avait déjà appris comment ce qu'il fallait faire quand on avait fait dans Menachot. Il doit remplir une pincée pleine et vider tout ce qui dépasse ici comme ça. Il prend ça et il monte sur le misbéar, il le jette sur le feu du misbéar. Et ensuite, Vehashar Necha la Kohanim, et le reste il est consommé par les Kohanim. Maintenant, la Mishnah va nous faire un petit comeback. Oui ou non, c'est qu'il nous manque l'étape de quand faire la boire. En fait, on va voir qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on faisait boire la sota avant de faire la mincha ou après avoir fait la mincha? D'accord? C'est ce qu'il va y avoir. Et je pense aussi que, si je ne me trompe pas, que quand on dit qu'on fait boire la sota, c'est-à-dire qu'on efface la paracha juste avant. Ça, je ne l'ai pas revu écrit, mais il me semble que c'est une règle qu'il y a. C'est que c'est pas qu'on efface, c'est qu'on attend. Dès que c'est le moment de la faire boire, selon l'étape qu'on va décider, eh bien, juste avant que tu effaces, on efface la Megillah, parce que effacer la Megillah, c'est un problème, il faut faire attention. Quand on efface la Megillah de la Sota, on est en train d'effacer le Shem Hashem. D'accord? Et donc, on veut diminuer au maximum que si toutefois la femme, elle décide finalement de ne pas boire, qu'elle nous dise sans qu'on ait eu besoin d'effacer le Shem Hashem. Bien évidemment. Donc, sur ça, maintenant, on a deux avis dans la Mishnah. Hayam Mashka, Vacharka Hayam Akriv et Minchata. Il faisait boire la femme. Et après, on apportait la mincha. C'est-à-dire qu'en fait, avant le rituel de notre Perek Gimel, on apporte la mincha, en fait, on avait déjà fait. Quand dans le Perek précédent, on avait vu que le Kohen, il écrivait, et qu'on avait fait jurer la femme, et qu'on avait écrit, directement, on a mis la Megillah dans l'eau, on l'a effacée dans l'eau, on a donné cette eau à boire déjà à la femme. C'était pas précisé, la Mishnah nous dit, non, sache que en fait, on l'avait fait depuis là-bas. Et en fait, après ça, tu commences le Perek Gimel qui te dit, et ensuite on faisait la mincha, ça se passait dans cet ordre. Que ayam mashka v'acharkach ayam makriv, v'acharkach makriv et mincha, et minchata. D'abord on le faisait boire, et seulement après, on lui faisait la mincha au Beth Amikdash, on offrait la mincha. Rabbi Shimon Omer, non, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il ne dit pas du tout. Makriv et minchata, v'acharkach ayam mashka. Selon Rabbi Shimon, il nous dit non, le contraire. D'abord tu es makriv la mincha, et quand tu as fini d'être makriv la mincha, seulement après, on l'a fait boire. Chez Neymar, comme nous dit le verset, Ve'achar yashke et aisha et amaim. Et après, il fera boire
là, à la femme, l'eau. Mais cependant, même Rabbi Shimon, il est d'accord que si toutefois il a inversé l'ordre, si toutefois il a donné à boire l'eau avant de faire la mincha, ça n'invalide pas a posteriori. Il y a juste un autre comment le faire. En réalité, le Barthénois, il nous rapporte longuement pour expliquer comment ça se passe. Il y a trois versets. Comment ça se passe? Et d'ailleurs, je peux voir, je déduis du Barthénois que je me suis un petit peu trompé, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il y a trois versets qui sont dits. À trois reprises dans la parasha de la Sota, je ne vais pas rallonger en ouvrant tout le pasouk, sinon ça va être un peu trop long. Mais il y a trois reprises de la Torah, elle nous dit, si vous ouvrez dans la parasha de la Sota, dans Nassau, dans Malotra, il y a à trois reprises, la Torah, elle nous dit qu'il faut faire boire la femme. Alors, la femme, on ne la fait boire qu'une seule fois. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est comme chaque fois qu'on a une redondance de trois fois, décider c'est lequel qui est l'essentiel, et c'est lequel qui viennent nous apprendre des situations un petit peu plus originales. Selon Rabbi Shimon, le pasouk essentiel là-bas, dans Bamidbar He, c'est le pasouk où il y a écrit Ve'achar yashkat eisha, là c'est sûr que la Torah l'a dit, et après il la fera boire. Cette fois-ci, c'est évident que si la Torah l'a dit, et après il la fera boire, alors là la Torah m'a fixé un ordre de chronologie. Donc d'abord tu fais la mincha, et seulement après tu la fais boire. Alors pourquoi, malgré tout, la Torah l'a écrit dans d'autres endroits? Alors c'est sûr la marquette. Tanakama, lui, nous dit non. Le premier qui a marqué qu'il faut faire boire la femme, c'est lui l'essentiel. Rabbi Shimon, il te dit non, il a marqué Ve'achar yashket ha'ishamayim. Là, on a insisté. Mais non. Pourquoi à quoi servent les deux autres endroits où la Torah a insisté malgré tout? Alors chacun, il va venir en fait m'apprendre pour me dire que si toutefois tu as fait comme l'autre avis, ça marche quand même. Chacun avec sa petite variation nuancée, que selon Chachamim, alors. Je vous fais le Barthénois très rapidement comme il nous le dit, que le premier, bien sûr, le premier c'est parce que c'est le moment où il faut la faire boire avant de faire la mincha. Le deuxième Yashke, c'est pour te dire que c'est pour t'apprendre que même si tu t'es trompé et que tu as fait toute la mincha et t'as pas encore fait boire la soda, c'est pas grave, écris maintenant et efface après coup ça marche. Rami, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon que si a posteriori on a fait la mincha avant, ça marche aussi. D'accord? Et le troisième, il est venu pour t'apprendre quoi? Il est venu pour t'apprendre une halakha qu'on verra plus loin. C'est que la Torah l'insistait et tu la feras boire. Ça signifie que si la femme elle dit non, je veux plus boire, une fois qu'on a déjà effacé, qu'on a déjà fait la mincha, on la force à boire. Sauf si elle reconnaît qu'elle a été impurifiée. Mais si elle dit juste qu'elle ne veut pas boire, on ne la laissera pas. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Tandis que Rabbi Shimon, il interprète ça différemment, qu'il prend le pasouk, le deuxième pasouk qui est marqué là-bas. Ve'achar yashke, donc là tu m'as parlé de chronologie, alors là c'est sûr que c'est là le plus essentiel, où tu me parles maintenant de chronologie, dans quel ordre faire les choses. Et le premier, c'est pour t'apprendre que si, a posteriori tu l'as fait boire avant, ça marche aussi. Et le dernier, c'est pour t'apprendre de nouveau le même principe. Donc finalement, j'ai pas dit ouf de la Mishnah, ce que je vous ai dit, c'est peut-être probablement vrai, que on fait... D'accord? Donc d'abord, j'écapitule vite, très, très rapidement. Donc succinctement, comment ça se passe? Il y a la mincha qu'il va falloir la faire. Marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, à partir de quand on fait boire la femme. Est-ce qu'on la fait boire avant la mincha ou après la mincha? Quoi qu'il arrive, à posteriori, tout le monde est d'accord que si tu as fait boire la femme après, ça marche. Si tu as fait boire la femme avant, ça marche aussi. Le troisième Ve'achar Yashke, le troisième pasouk qui te dit qu'il faut la faire boire, c'est juste pour t'apprendre que si toutefois on a déjà effacé la Megillah et qu'elle dit non, je veux plus boire, on lui dit non, on a effacé, maintenant on te force à boire. Sauf si elle va reconnaître qu'elle est devenue impure. On aura l'occasion de revoir ce détail-là, précisément, dans la Mishnah d'Alet, si je ne me trompe pas, ou Hé. Ce sera plus tard dans la Mishnah d'Alet, à mon avis. Et voilà, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.